Coucou à tous! Aujourd'hui, je vous présente la recette de boulettes de poisson surprise, donc façon sénégalais. Voilà, je vous donne la recette détaillée juste après ceci. Réalisation, nous allons commencer par la farce. Et pour la farce ici, j'ai utilisé 5 maquereaux que j'ai désarrêtés et puis que j'ai arrêté. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écailles du moins. Ensuite, il m'a aussi fallu ici la moitié de la botte de persil, un piment végétarien, d'accord, ou bien un piment d'oiseau si vous souhaitez. On va le mixer aussi. Bon, je vais le mixer hein, ici. Donc, voilà, votre mixeur ou bien votre mortier avec un pilon, d'accord, ça marche très bien. Vous aurez aussi besoin de 5 ail ici, donc qu'on va aussi mixer. Ici, je mets pas de poivron. Je ne mets pas d'oignon, donc sinon ça va être très liquide et quand vous allez le frire après, vous allez voir, ça va se détacher. Et pour que ça tienne bien aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mie de pain. Ici c'est une très grande tranche, donc si vous avez les petits, vous utilisez deux tranches. Donc comme ça, vous mixez tout, vous mettez aussi les maquereaux. Vous oubliez surtout pas de saler, voilà. Donc moi je vais les faire en deux fois hein, comme pour que ça passe dans mon mixeur. N'oubliez pas aussi de mettre le poivre. Donc vous poivrez bien jusqu'à la limite que vous tolérez bien sûr. Voilà, parce qu'il faut que ça soit quand même bien relevé. Donc le rendu, vous voyez comme ça. En fait il faut bien prendre son temps pour le mixer. Donc pour tout racler, prendre, sinon vous allez avoir des gros morceaux à l'intérieur. Donc là je vous montre la prochaine. Là les amis, j'ai préparé 3 œufs durs. Voilà, donc la mixture. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là un peu de la farce. Donc, je vais bien envelopper hein, les œufs. En fait, si vous souhaitez que ça s'ouvre pas pendant la friture, vous l'enveloppez bien, comme ça. Parce qu'en fait, vous avez déjà mis du pain. Après, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu de farine. Mais moi, je ne mets pas de farine. Donc, je le mets là directement comme ça. J'enveloppe bien. Bien sûr, si vous voyez quand c'est ouvert comme ça, quand vous allez le frire, ça va s'ouvrir. Donc, vous refermez bien comme ça. Voilà. Ensuite, pour l'autre, pareil. J'en mets pas trop non plus, d'accord? S'il en reste, vous en faites avec sans œufs aussi. Donc là, je fais comme ça. Ceux qui préfèrent manger avec eux, ils vont manger avec eux. Et puis les autres, ils vont manger sans les œufs s'ils n'aiment pas. Voilà, donc comme ça. Hop. Donc ensuite, pareil. Même combat. Voilà, donc j'enveloppe bien. Pas trop non plus. D'accord? Juste comme ça. Et voici donc nos boulettes farcies hein, avec œufs et sans œufs. On va aller les frire. Du coup les amis, là j'ai fait chauffer de l'huile. Vous le faites chauffer mais pas trop, d'accord? Je vous explique tout à l'heure. Et puis là, je vais mettre ici les boulettes, d'accord? Donc il faut que ça cuit lentement, d'accord? Dans l'huile. Donc, voilà. Vous le posez juste délicatement, comme ça. Vous réduisez votre feu à feu moyen. En fait, c'est pour que ça cuit à l'intérieur. Voilà. Sinon, ça va juste cramer et après, l'intérieur ne va pas cuire. Donc, je cuis déjà ceux qui ont des œufs à l'intérieur et après, je cuis le reste. Alors, une petite astuce pour le faire bien cuire à l'intérieur, donc sans pour autant que ça soit cramé dessus, c'est qu'en fait, vous le retournez de temps en temps, comme ça. Regardez. Voilà, comme ça. Donc après, sur les côtés, petit à petit. Voilà. Je retourne encore, comme ça. Voilà les amis, donc l'aspect que ça a,
sachant que vous pouvez aussi faire à la vapeur la cuisson, donc si vous souhaitez ne pas manger avec la friture. Voilà, donc là vous le posez sur un papier sopalin pour que ça aspire un petit peu l'huile. Donc j'enchaîne pour les autres, pareil, même combat. Je commence juste un petit peu le feu, donc pour que ça ne rentre pas l'huile. Non, les amis, j'ai fini la friture. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer de l'huile, d'accord, jusqu'à ce qu'il me reste l'équivalent de 2 louches maximum. Donc après, à vous de voir hein, si vous souhaitez moins aussi. Donc pour cuire la sauce. Là, ce que je vais faire, les amis, c'est que là, je vais mettre les pommes de terre, donc que j'ai coupées ici en dés. Donc, on va les faire revenir. Nous allons passer au nocos, les amis. Donc, ici, je vais venir mixer de l'ail, donc 5 ail. Ici, je mixe aussi les tiges d'oignon vert. Donc, une tige que vous allez mixer. Un laurier. Poivron vert, ici. Et puis, je vais poivrer oui, aussi. Donc, ça fait 10 minutes ici que je cuis les pommes de terre. Donc, je les ai fait revenir dans l'huile. Et pour la quantité, en fait, c'est 4 pommes de terre. D'accord? Donc 4 de taille moyenne. Donc ici, je vais mettre directement 600 g, précisément 660 g d'oignons. D'accord? Donc, que je vais mettre ici. Ensuite, je vais rajouter le nocos. Le nocos que je viens de réaliser, là. Vous avez le choix, hein? Vous pouvez le mariner avant et puis le laisser reposer. Mais quand vous êtes pressé, là, comme moi, vous le mettez directement. Ensuite, je vais juste mettre un petit peu d'eau, l'équivalent de 50 voire 60 ml. Histoire de racler et de ne pas faire de gâchis, donc je prends tout le nocos. Nocos égale mixture. Donc là, on va venir rajouter la moutarde ici. Donc de grosses cuillerées à soupe. Hein. Donc 2 grosses cuillerées à soupe de moutarde. C'est important. Là, je vais ajuster le sel. Ensuite, je vais mettre ici 50 ml de vinaigre. Donc j'ai vinaigre d'alcool ici blanc. Vous pouvez mettre coloré aussi si vous voulez. Donc on répartit bien. On réduit le feu. Et puis vous laissez cuire hein, jusqu'à 30 minutes environ, donc à feu moyen. Et après 30 minutes, votre recette est prête. Voilà la recette de boulettes surprise au poisson ici. Donc voilà, j'espère que vous avez adoré cette recette. Je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres recettes.